Monsieur le ministre, messieurs les députés, honorables collègues, jamais dans le passé, un Africain n'a occupé la présidence de notre chambre. Nous devons prendre ce qui est à nous, ce qui nous revient de droit. Nous devons contrôler notre industrie, notre commerce, notre culture, en un mot, prendre en main notre destinée. À notre peuple, nous devons montrer que nous sommes capables comme tous les peuples du monde. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous devons prendre toutes les directions, les banques comprises. Notre marche est irréversible. C'est l'aboutissement de notre lutte pour une vraie indépendance. Ce jour d'aujourd'hui est un jour historique. C'est une victoire de notre peuple. Ce sont les fils du peuple qui dirigent le peuple dans l'intérêt du peuple. Nous optons pour le socialisme, le seul vrai socialisme, la voie africaine du socialisme, le socialisme à hauteur d'homme. Notre indépendance est complète.
Monsieur le ministre, monsieur le député, honorables collègues, notre action révolutionnaire n'a pas été vaine. L'occupation de cette chambre de commerce et d'industrie est sanctionnée par un texte officiel de notre guide éclairé, père de la nation. Nous devons nous serrer les coudes et être solidaires, car nos adversaires n'ont pas désarmé. Eh bien, messieurs, pour sceller cette date mémorable, nous sommes conviés au mariage de notre honorable collègue Elhadj Abdoukader Bey, qui prend ce jour sa troisième épouse. Ah, la modernité ne doit pas nous faire perdre notre africanité. Et comment? Vive l'africanité! Vive l'africanité! Vive notre africanité!